présence des supporters algériens dans ce stade historique pour l'équipe nationale. Est-ce que vous allez jouer le reste des matchs de la qualification de la Coupe d'Afrique ici à 5 juillet? Ma deuxième question, est-ce que vous pouvez nous confirmer est-ce que l'équipe nationale va jouer un match amical le 12 juin face à l'Iran? Et merci. Donc pour ce qui est du terrain, bah il a été en bon état. Bon état. Je mentirais pas de dire qu'il a pas. Je ne veux pas dire qu'il était excellent ou très bon état. La pelouse était plus que praticable. C'était assez agréable. Le ballon roulait bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi j'étais content de retrouver le 5 juillet. Les supporters, très sincèrement, En moi, il y avait peut-être un petit doute, savoir si après la désillusion du mois de mars, est-ce qu'ils allaient venir en nombre ou pas. J'ai été agréablement surpris. Franchement, j'aurais très très bien compris qu'ils puissent ne pas venir au stade. Voilà, de penser qu'ils envisageaient d'aller à une Coupe du Monde, que malheureusement, nous n'allons pas participer. D'autre côté, revenir sur des qualifications de Coupe d'Afrique. C'était assez. Eh ben, je suis agréablement surpris. Vraiment, je les en remercie au nom de tout le monde, au nom du staff, au nom des joueurs. On a été contents de jouer dans une enceinte comme ça où c'était pas plein. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on était contents qu'on puisse participer. C'était, je pense, une belle atmosphère ce soir.